Marc, c'est deuxième qui gagne au moins. Ouais.
Oh, t'as vu sur quoi ils sont serrés, ils sont serrés sur rien du tout. Dans la moulin de repart maintenant, deuxième position, il y avait tout à l'heure, c'est donc Jean-Paul Cogemin, qui a été remplacé par Sébastien Blondel. Sébastien Blondel qui se lance pour un deuxième tour. C'est un tour en fait sur 5 km de fer, le 2 km 5. C'est un choix tactique qui peut être payant, dans la mesure où ça laisse un peu plus de temps pour un concurrent qui vient de faire un effort violent, ça lui laisse un peu plus de temps de récupération. C'est son coéquipier est capable de faire des tours sans trop de bougeage. Ça va bien, mon petit Manu. Tu t'amuses comme un petit fou. Comment vous voyez les choses pour vous organiser pour votre organisation personnelle, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a un qui va
faire tout le tour sur la fin pour essayer de récupérer l'eau. Vous faites un tour chacun, deux tours chacun. Deux tours chacun, comme des deux. Voilà. Et ça pose pas de problème, ça compte comme trois tours au lieu de deux, quoi, c'est ça. C'est ça un petit peu plus compliqué, non? Ben non, pas du tout. Mais déjà, il n'y a pas de problème par rapport à... Et les deux équipes, peut-être, là, quand tu ne les as pas côtoyés encore, tu n'as pas rejoint, tu n'as pas doublé. Si, le premier m'a doublé. Allez, attention derrière. Allez, bravo. Bravo. Allez, bravo, allez, allez. C'est bien. Allez, c'est pas loin, hein. Alors. Ryan. L'expo de la MJC. Voilà. On va rentrer dans le cinquième enclos bientôt, hein.
Cette victoire, ça fait 5 derniers tours. L'écart, ça se fait. Tout à fait, il y a encore un dernier petit de tour et je vous demanderai de les applaudir très très fort. Geoffrey et Noam donc qui ont dominé cette fin d'épreuve, qui ont réussi à décramponner les Costellois Pégard, et Bondel dans les ultimes. Voilà, à l'arrivée, vous pouvez les applaudir très fort. C'est lui à son arrivée et son équipier vous applaudissait maintenant. Voilà, l'arrivée de Geoffrey Bonnefoy. Et il va applaudir l'ensemble des concurrents qui en terminent maintenant. On attend pour la deuxième place. C'est terminé donc pour Thévenin, Geoffrey Thévenin. J'ai appris Bonnefoy par erreur. Voilà, Geoffrey Thévenin qui est en terminé avec son coéquipier. Loin qui a fait un travail considérable tout au long de cette soirée. L'ensemble des concurrents qui vont franchir la ligne maintenant. Dernier petit tour les roues du Saint-Rambert. Et ça sera terminé à partir de là. Bien sûr, on va arrêter l'ensemble des concurrents, les commissaires de course. On aura un petit peu de temps pour établir le classement. Les remises sur les concurrents seront nous. Donc, vous avez pris. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est terminé. On peut applaudir aussi pour la deuxième place. Ils se sont bien battus. Sébastien Blondel qui prend la deuxième place. N'oubliez pas que les coureurs n'ont pas trop de visibilité, sont en pleine relance. Voilà, c'est terminé pour l'ensemble des 36 et 72 coureurs, il y avait 36 équipés. C'est fini pour tout le monde. Et on peut terminer.